ceux qui sont venus de toute la France, mais particulièrement mais de tout le Massif central, qui a fait aussi des heures du Massif central, des centaines de tracteurs qui ont fait route commune avec nos collègues bretons pour la même cause, tout simplement moins de charges, moins de normes et plus de prix. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui, c'est ça qu'on est venu demander. C'est ça que sont venus demander les premiers tracteurs qui sont partis de chez nous mardi soir, qui sont arrivés ce matin avec ces éleveurs aujourd'hui qui n'en peuvent plus, qui se sont mobilisés tout l'été aux quatre coins de France, aux quatre coins de la ville centrale, avec des accords de prix qui n'ont pas pu être tenus par le gouvernement en faute d'engagement auprès de la Commission européenne. Et nous, ce qu'on est venu demander, c'est d'arrêter toutes ces normes qui nous tracassent, de baisser les charges et d'augmenter les prix. Et il faut absolument augmenter les prix. Le fonds d'aujourd'hui doit s'engager à aller obtenir des mesures à Bruxelles pour permettre de l'exploitation des mesures de déportation, pour faire en sorte que nous vivions décemment de nos prix et que l'élevage français ne passe pas par très bas. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je suis en train de pêcher. Ah ben justement. J'étais à la pêche, je crois que j'ai trouvé un bon poisson. Voilà, merci. Dominique, vous vient de faire le plaisir de venir. Un grand poisson d'Aveyron. Un grand poisson d'Aveyron, exactement, voilà. Alors, vous pouvez vous manifester si vous voulez quelques mots, les porte-parole de vos régions, de vos départements, de vos villes. N'hésitez pas, c'est le moment justement. Donc, on prendra encore, je pense. On a une petite heure pour faire une petite heure, voilà. Voilà, donc merci, merci Dominique Payet. Voilà, il a son. Voilà, merci. Alors Dominique Payet, c'est le président de la CD de l'Aveyron, c'est mon président, je lui dois hommage et respect. Et c'est aussi l'administrateur de la FNSEA, il est au bureau de la FNB. Salut à tous, ça fait vraiment quelque chose de voir cette foule qui s'agglutine, de voir arriver ces tracteurs. De partout, alors bien sûr la Véro est un peu loin, mais on est venu aussi avec un vieux tracteur, d'un vieux tracteur qui avait un peu de mal à suivre dans le cortège, un peu comme les industriels du lait ou de la viande qui ont un peu de mal à payer les éleveurs, ils sont un peu poussifs. Le t-shirt de mon département, sur le t-shirt de mon département, il y a écrit « L'élevage a un prix ». C'est l'objet de notre combat d'aujourd'hui. C'est la cause suprême. C'est la seule qui mérite, venant pour laquelle on se bat. Les industriels, la distribution, depuis des années, depuis des décennies, nous ont volé la valeur de notre produit.